du vaccin d'AstraZeneca, retiré en Italie, en Autriche et dans quatre autres pays européens. Par mesure de précaution, la Norvège, l'Islande et le Danemark sont allés plus loin ce jeudi. Son utilisation est totalement suspendue jusqu'à nouvel ordre. Euh, bonjour, bonjour. C'est un live très 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 rapide, mais alors vraiment très rapide et qui sera court, parce que je voudrais... Que chacun d'entre vous puisse poser cette question, n'est-ce pas, au régime de Yaoundé. C'est très important de lancer cette campagne. Parce qu'il faut qu'on sache en réalité ce que ces gens veulent au peuple camerounais. Et c'est de notre responsabilité. Lancer ce genre d'alerte, c'est notre responsabilité. Alors, j'étais en train de vadouiller tout à l'heure tranquillement. Et je causais avec ma femme là, on était là. Après, je vadouillais sur Twitter, je tombe sur ce poste. Le Cameroun réceptionne le vaccin AstraZeneca ce samedi. 391 200 doses du vaccin britannique arrivent ce 17 avril à 18h30 à l'aéroport. C'est le premier lot, le premier lot de vaccins offert au Cameroun dans le cadre de l'initiative COVAX. C'est TV Web. S'il vous plaît, partageons rapidement, rapidement, qu'on touche rapidement un maximum de personnes rapidement et puis euh, on parle rapidement et puis on, on, on coupe. Et je ne veux pas être long parce qu'il faut qu'un maximum de personnes puissent écouter cette vidéo jusqu'à la fin. C'est très important. Il y va de votre vie, il y va de notre vie, il y va de la vie de nos familles. Que tu sois euh, Sardina ou Tontina ou je ne sais quoi, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit de la vie de tous les compatriotes camerounais. Je dis bien de tous les camerounais. Les artistes musiciens, les acteurs de cinéma tous les camerounais dignes doivent poser des questions autour de ce vaccin qu'on veut administrer à nos proches parce que on ne peut pas faire venir au Cameroun un vaccin n'est-ce pas qui fait polémique dans le monde entier on ne peut pas faire venir au Cameroun les Camerounais ce n'est pas du bétail le régime de Yaoundé ne peut pas faire venir au Cameroun chercher à imposer aux Camerounais un vaccin qui crée une polémique énorme dans le monde entier Beaucoup de pays ont testé ce vaccin. Il y avait beaucoup d'effets secondaires et ils ont retiré les stocks. D'où vient-il que le régime de Yaoundé, étant au courant de cela, accepte quand même d'utiliser la population camerounaise comme du bétail On veut utiliser les Camerounais pour continuer de tester un vaccin qui n'a pas fonctionné à l'étranger. Un vaccin que tout le monde a rejeté. Un vaccin qui est sujet à beaucoup de polémiques. Quelqu'un qui dit qu'il supportent le régime BIA aujourd'hui, qu'ils se placent devant et qu'ils prennent le vaccin là. Qu'on attende. Que tous les Sardiniens qui vont venir se connecter maintenant aillent prendre ce vaccin parce qu'ils aiment trop Paul BIA. Ils aiment le Cameroun plus que nous. Ils aiment les Camerounais plus que nous. D'accord. Que chacun d'entre eux aille s'aligner, qu'ils se fassent vacciner en premier. Maintenant, nous les Tontinas, on se place derrière, on attend. Aucun membre de nos familles ne doit accepter ce vaccin. Tant qu'il n'y a pas de réponse autour de cette histoire. Chaque Camerounais, je dis bien chaque Camerounais, doit poser des questions au gouvernement de Yaoundé, au ministre de la Santé, au premier ministre et à Paul Biya. Comment ça se fait que le vaccin AstraZeneca, autour de toutes les polémiques qu'il y a eu, jusqu'à ce que les gars ont changé de nom pour passer inaperçu. Oui, AstraZeneca a changé de nom pour passer inaperçu parce que la polémique autour de ce vaccin était grave. Les effets secondaires catastrophiques. Des gens meurent à cause des effets secondaires de ce virus, de, de, de ce vaccin. Ça crée des caillots de sang. Ça tue les gens. Beaucoup de pays ont retiré ce vaccin de leur stock. Pourquoi Essayons un peu d'écouter euh, 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 cette vidéo-ci-là et puis je reviens, j'arrive. Teneka, retiré en Italie, en Autriche et dans quatre autres pays européens. Par mesure de précaution, la Norvège, l'Islande et le Danemark sont allés plus loin ce jeudi. Son utilisation est totalement suspendue jusqu'à nouvel ordre. Je ne peux pas vous montrer la vidéo, hein. même la voix là, J'espère que Facebook ne va pas supprimer encore sur ma page. Parce que maintenant, dès que je présente quelque chose qui n'est pas de moi sur ma page, Facebook supprime et bloque ma page. Voilà. Donc, je recommence. Je recommence la vidéo et je m'arrête à un niveau. Du vaccin d'AstraZeneca, retiré en Italie, en Autriche et dans quatre autres pays européens. Par mesure de précaution, la Norvège, l'Islande et le Danemark sont allés plus loin ce jeudi. Son utilisation est totalement suspendue jusqu'à nouvel ordre. Il y a toujours un risque avec les vaccins, même si les choses se passent bien au Danemark. Celui d'AstraZeneca présente des risques et nous devons en savoir plus. Je pense que c'est l'approche à adopter. Le simple fait déjà que des pays retirent complètement le stock de vaccins chez eux, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème dans, euh, autour de ce vaccin. Le simple fait que les pays ont testé un peu, ils ont vu qu'il y a vraiment un problème. N'oubliez pas que les médias ne peuvent pas tout vous dire. C'est à vous d'analyser avec les éléments qu'on vous présente. Quand vous voyez tout un premier ministre vient annoncer que ils ont décidé de stopper complètement les vaccinations, ils ont avec AstraZeneca, ils ont décidé de vider le stock et de jeter. Ce n'est pas parce qu'il y a seulement eu un effet secondaire banal. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu un. C'est parce que c'est un danger pour les populations. Si c'était un effet secondaire qu'on pouvait banaliser, les gars n'allaient pas complètement déstocker. C'est parce que ils ont constaté que ce vaccin est un danger pour les populations. Et donc, du coup, ils font un peu de politique. Parce qu'eux-mêmes, ils seront accusés d'avoir mis leur population en danger avec ce vaccin. Ils seront accusés par les populations s'ils essayent de dramatiser. Voilà pourquoi nous, les activistes, nous, on ne mâche pas nos mots. Si tout un gouvernement décide de déstocker, de ne plus utiliser un vaccin, ça veut dire qu'il y a un problème. Et comment ça se fait avec ce problème-là que le régime de Yaoundé aille commander ce vaccin que tout le monde refuse pour venir injecter, imposer ça aux Camerounais Parmi tous les vaccins-là, le vaccin russe qui fonctionne presque, qui fonctionne quand même bien jusqu'à présent, il n'y a pas trop de problèmes. C'est le vaccin AstraZeneca que le régime Yaoundé a vu pour venir imposer aux Camerounais. Ne partagez pas la vidéo et restez là parce que ça me concerne seulement. Ça ne concerne pas vos familles, ça ne nous concerne pas. Ne partagez pas, n'allez pas, ne partagez pas, ne posez pas les questions parce que je ne parle pas des fesses des femmes. Je ne fais pas le Congo ça. Donc ne partagez pas, restons là comme ça, comme on est là. Mais c'est quand il y aura les conséquences que chacun va rester. Il va dire que, merde, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Le régime de Yaoundé. Prends finalement les Camerounais pour du bétail. Tout simplement. Pour du bétail, tout simplement. La personne qui dit que le, le, le truc a été utilisé à, à, avec succès au Royaume-Uni, je te, je te montre un article. Parce que vous, vous vous informez sur Facebook. Vous vous informez sur Facebook. Ici au Royaume-Uni, le vaccin là, est interdit à une certaine catégorie de personnes. C'est de 20 ans en descendant. Voilà l'article. Allez taper sur Google. Allez vous informer, mes chers Camerounais. Même si ça a été utilisé au Royaume-Uni et que tout se passe bien, c'est parce qu'on vous cache. On vous a caché qu'il qu y a eu des problèmes. Un vaccin qui est déjà interdit à une certaine catégorie de personnes, ça veut dire que ce vaccin pose un problème. On vous a caché. Est-ce que vous étiez là? Vous êtes au courant? Vous connaissez toutes les personnes qui se sont fait vacciner? Quand on parle des choses sérieuses, la personne qui dit que ça c'est bien utilisé, tout, tout, tout. Mon ami, amène-toi, vas-y, toi et toute ta famille, allez vous vacciner. Mais nous, on veut des réponses. Quelque chose peut fonctionner, mais pas à 100%. Et en ce qui concerne ces histoires de vaccins, on doit être sûr au moins à 90%. On doit être sûr au moins à 90%. Comment ça se fait? Plusieurs pays, j'ai dit, il y a plusieurs pays qui ont interdit ce vaccin. Plusieurs pays ont interdit ce vaccin chez eux. C'est ça qu'on porte. On vient verser au Cameroun. Wow. Maintenant, je veux savoir quelque chose. À supposer que le vaccin-là soit bon, tout simplement. Euh, attendez un peu, je bloque. Bloquez-moi, doigt, la Cameroun. Là, déjà, ils ont déjà commencé à avoir leur sale polémique. Bloquez. Voilà, parce que les gens pensent qu'on est ici là pour rigoler. À supposer que le vaccin là soit bon, d'accord. Donnons raison au régime de Yaoundé. Soyons un peu maintenant, euh, soyons un peu dans, parlons un peu dans leur sens. Le vaccin là est bon, non Ok, il n'y a pas de problème. Vous avez commandé des doses et des doses pour les Camerounais, non Il n'y a pas de problème. Maintenant, arrangeons-nous. S'il y a un souci avec ce vaccin, qui va répondre Parce que les entreprises pharmaceutiques, là, eux, ils ont signé qu'eux, ils ne sont responsables de rien. Donc maintenant, demandons donc au régime de Yaoundé, s'il y a un problème avec ce vaccin, qui va répondre Qui endosse les responsabilités S'il y a un problème avec ce vaccin, qui va endosser les responsabilités Maintenant, c'est de ça qu'il s'agit, parce que là, on parle de la vie des gens. Et de deux, puisque vous faites confiance à ce vaccin, nous voulons savoir quelles sont les composantes de ce vaccin. Quelles sont les composantes de ce vaccin? Quel professeur a vraiment dit que non, ce vaccin est bien? A validé ce vaccin? Quelle équipe d'études au Cameroun a validé ce vaccin? Si une équipe d'études, de professeurs, parce que ça ne manque pas des Camerounais spécialistes, des biologistes et consorts, est-ce que des spécialistes Camerounais ont validé ce vaccin Voilà la deuxième question. La troisième question. Attendez un peu deux secondes. Effectivement, il y a certains pays où on vaccine seulement les vieillards, certains pays où c'est interdit au moins de 30 ans, certains pays où c'est interdit au moins de 40 ans, certains pays où c'est interdit au moins de 50 ans. En réalité, il y a une grosse polémique. Tellement la polémique était grande que AstraZeneca a changé de nom pour se cacher. Donc, j'étais en train de dire que quelles sont les composantes de ce vaccin Qui va endosser la responsabilité en cas de problème quels sont les professeurs qui ont étudié ce vaccin et qui ont validé Ils ont dit non, si on injecte les Camerounais, il n'y aura pas trop de problème. Et maintenant, ma troisième ou ma quatrième question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui se trouve dans ce vaccin-là Ce vaccin-là a été fabriqué comment Dans quelles conditions Vous avez mené quelle étude Gouvernement camerounais, vous voulez prendre quelque chose inconnu pour venir injecter dans les Camerounais Vous-même, vous, vous n'êtes au courant de rien. On veut savoir ce elle... qui se trouve dans ce vaccin. Et on veut savoir quelles sont les garanties que vous donnez aux populations. Parce que là, ce ne sont pas les ordinateurs de famine Dongo, hein? Ce ne sont pas les ordinateurs de famine Dongo. Non, non, non. Ce ne sont pas les ordinateurs de famine Dongo. Ce ne sont pas les sacs de riz. On parle là de la vie des Camerounais. Ce ne sont pas les sacs de riz de Oka. Non, on parle là de la vie des Camerounais. Quelles sont les garanties que vous donnez aux Camerounais avec ce vaccin parce que plusieurs pays ont interdit ce vaccin. Plusieurs pays ont complètement interdit, complètement interdit ce vaccin. Donc, quand je lis, les gens disent ici là que voilà, le vaccin là, ce sera seulement pour tel, le vaccin là a été validé dans tel pays. Le vac... Il suffit qu'un seul pays interdise complètement un vaccin pour qu'on comprenne que ce vaccin là a des problèmes. Des gens ont été vaccinés. Il y a eu des effets secondaires et il y a eu plusieurs morts à cause de ce vaccin-là. L'Afrique du Sud a totalement interdit ce vaccin-là sur son territoire, oui, l'Afrique du Sud totalement interdit ce vaccin AstraZeneca sur son territoire. C'est le vaccin-là que Manaouda Malachi, Diengouté, Paul Bia sont partis chercher pour donner aux Camerounais. C'est le vaccin-là. Quelque chose que tout le monde a fui. Les gars, je ne veux plus être long, je vais couper déjà le live. J'étais en train de dire que chacun d'entre nous doit être responsable. La question, c'est que je pose chacun d'entre vous doit poser ça, cette question-là, sur son mur, partout. Parce que là, on ne parle pas d'une lutte pour le pouvoir. On ne parle pas d'une lutte pour prendre le pouvoir. On ne parle pas des affaires tribales, comme certains sont devenus champions dans ça. On ne parle pas de ça. On parle là de la vie de tous les Camerounais. Vous y comprenez. S'il y a des sardinats qui veulent venir ici-là dans ma vidéo, encore je me répète, dire qu'ils aiment trop BIA et donc du coup ils vont défendre BIA dans ce domaine-là, eh bien que ces sardinats se placent devant, qu'ils se placent en ligne et qu'ils aillent se vacciner. Que tous les ministres de BIA commencent par se vacciner. Et on attend au moins deux mois. On voit comment ça se comporte. Et qu'ils se vaccinent, hein, qu'ils ne fassent pas semblant de se vacciner, qu'ils se vaccinent. Qu'on prenne la dose d'AstraZeneca. On filme comment est-ce qu'on est en train de leur injecter ça. Que leur famille aille se vacciner. Et que tous les Camerounais observent. On voit comment le vaccin se comporte. Ensuite, après qu'ils donnent des garanties aux Camerounais. Ça veut dire que s'il si y a quelqu'un dans une famille qui succombe à cause de ce vaccin, telle ou telle ou telle personne doit endosser les responsabilités. Que ce soit les, responsab les responsabilités pénales et tout ce que vous connaissez. Quelles sont les garanties qu'ils donnent au peuple camerounais avec ce vaccin qui est un sujet à polémique partout dans beaucoup de pays Le vaccin-là n'a jamais été validé aux États-Unis. Jamais. Les États-Unis n'ont pas validé. Les États-Unis ont refusé de valider ce vaccin-là. Pourtant, vous connaissez les souffrances des États-Unis avec le coronavirus. Le coronavirus est grave aux États-Unis, mais. Ils ont refusé le vaccin AstraZeneca. Refusé complètement. Ils ont dit non, 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 non. Avec ce que nous on voit là, on préfère encore attendre. Pourquoi ils ont refusé Eh bien, c'est parce que les experts, biologistes et consorts, ont étudié ce vaccin aux États-Unis. Ils ont compris que c'est un danger pour la population américaine. Quels sont les experts camerounais qui ont étudié ce, 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 ce vaccin-là quels sont les experts camerounais qui ont validé ce vaccin là? Manaouda Malachi est professeur biologiste. Manaouda Malachi est chercheur, Gutte est professeur biologie chercheur. Donnez-nous les noms des professeurs qui ont validé ce vaccin là, qui ont dit que le vaccin là n'a pas de risque et qu'on peut injecter ça au Camerounais. Donnez-nous les noms des professeurs camerounais qui ont endossé les responsabilités de ce vaccin là au Cameroun. Et qu'ils aillent d'abord se vacciner eux-mêmes. On voit comment ça va se passer. Les gars, ça là, c'est une affaire qui concerne tous les Camerounais. Quand c'est déjà la vie des gens, quand c'est déjà les affaires des vaccins et consorts, on ne blague pas avec. On ne joue pas avec parce que c'est la vie des Camerounais qui est en jeu. Déjà que le régime de Yaoundé a très mal géré cette affaire de, 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 de Covid-19 qui est en train de tuer les Camerounais. Maintenant, au lieu de se rattraper, les salopards s'en vont chercher parmi tous les vaccins ils vont chercher le vaccin qui a le plus de polémique. Un vaccin qui a le plus de polémique. Un vaccin qui a été interdit dans plusieurs pays. C'est le vaccin -là que les gens -là ont trouvé pour venir administrer aux Camerounais. Alors qu'il y a d'autres vaccins qui sont quand même qui, qui n'ont pas de polémique comme le vaccin russe par exemple. Voilà. Donc, j'ai fait cette sortie rapide là pour euh, 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 parler de ce vaccin là et que chacun pose des questions à ces gens. Pourquoi est-ce qu'ils veulent tuer le peuple camerounais Si quelqu'un supporte trop le régime, bien qu'il aille se vacciner. Mais moi j'appelle les camerounais ici là à être prudent, parce que ce régime est machiavélique. Passez une bonne soirée.